Alors, qu'est-ce qu'on a comme glace? Voilà, aujourd'hui, on a le coco. Coco. Voilà, nous avons la mangue. Mangue. Guayave. Ouais. La cacahuète. Ouais. Le bissap. Ouais. Le chocolat. Ouh. L'avocat. Ouais. Et l'ananas. Alors, qu'est-ce qu'on va goûter? Moi, cacahuète. Cacahuète. Et toi? L'ananas. Et il a dit aussi bissap. Bissap, ouais. Moi, je vais goûter bissap, moi. D'accord. Super. JL, entendez par là Djalov, est un coin sympathique à la Haie Vive à Cotonou, où vous pouvez déguster d'excellentes glaces artisanales, un espace créé par un Caribéen de retour au Bénin. Les Roots, bon retour sur la chaîne de Maman Roots, en direct sur la place de l'Amazone, à Cotonou. On change un peu le décor et on est avec notre cher professeur, Michael Tobomé. Salut les Roots. Alors Michael, aujourd'hui, va nous parler de ces expressions béninoises qu'il faut absolument connaître, les Roots. Vous venez au Bénin, même de passage, il y a des expressions qu'il faut absolument connaître et on va voir ça aujourd'hui. C'est la réunion familiale. On est bien là. Alors, professeur Tobomé. Ouais. Les expressions qu'il faut connaître absolument, on t'écoute. Pour les expressions, déjà il y aura les salutations. Et pour les salutations, avant de saluer une personne, il faudrait déjà, même en français, connaître les moments de la journée. Ouais. Et les moments de la journée les plus fréquents, il y a matin, midi, soir. Mais malgré cette fréquence, nous, on va partir beaucoup plus sur 4. Matin, midi, après-midi, soir. Okay. Et peut-être rajouter encore nuit. C'est une précision parce que la nuit, c'est un peu différent. Après, la nuit serait utilisée pour peut-être dire bonne nuit et tout. Donc, le matin, c'est zan, zan. Z-A-N, Z-A-N. Zan, zan. Zan, zan, zan. Et à midi, on va dire oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. C'est le KW? Non? Non, le oui, mais, c'est le H. Ah, ah. Attends, ça s'écrit comment, oui, mais? Oui, mais s'écrit... je vais le rendre un peu simple, ça sera H-O-U-E-M-E, pour que tu vois la prononciation, mm-hmm. C'est bon? Mm-hmm. Donc, oui, mais. Ok. Donc, oui, mais, c'est pour dire le moment où le soleil est, dans le soleil, bon, sous le soleil, on veut dire. Le moment le plus chaud de la chaud journée. Journée. Voilà, ouais. Donc c'est oui, mais. Et... après-midi sera dit « Weleko », le retour du soleil. Weleko. Weleko. Et le soir serait « Badanu ». Badanu. Badanu. Mais qui serait beaucoup plus utilisé au Bénin comme « Bada ». Je vous ai parlé de la contraction que le locuteur font adore employer, même si elle est sévère parfois. Donc « Bada » serait le soir. Par contre, la nuit serait zan ou zanmen. Ah, on retrouve le zan. Oui, le zanmen. Parce qu'en fait, pour le fond, il faut qu'on prenne conscience de quelque chose, c'est que la nuit et la matinée ont un point commun. Quand je prends 0 heure, par exemple, est-ce qu'il fait nuit ou
est-ce qu'il fait jour? Donc, on voit qu'il y a un point de rencontre entre la nuit et la journée et le jour. Mm-hmm. Du coup, il y a ce zan qui se répète. Du coup, parfois, on va entendre très tôt le matin, on va peut-être dire zanfonou, et tard dans la nuit, on va dire zanmen. Ok. Donc, on reprend, on a zanzan. Zanzan. Wemen. Wemen. Weleko. Weleko. Le retour du soleil l'après-midi. Et zanmen. Non, gbada d'abord. Bada pour dire le soir. Ouais. Et zanmen pour dire dans la nuit. Zanmen. Voilà. À n'importe quel moment de la journée, comme en français, on dit bonjour. Qui est bonjour? Qui est un souhait, si je peux me le permettre. Bonsoir, bon après-midi, etc. Enfin, on va utiliser le mot kudo. 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 Donc, pour le matin, on va dire kudo zanzan. Kudo zanzan. Très bien. Kudo zanzan pour dire bonjour. Aujourd'hui, il est vrai que c'est un peu rare, le kudo zanzan. On va plutôt entendre né en fongbon. Né en fongbon, ouais. Oui. Très bien. Ouais, ou à fongandia. Mm-hmm. Pour dire t'es-tu bien réveillé? Parce que le fond conçoit qu'il est plutôt utile de demander à une personne son état de santé mentale ou de l'état de son être un matin au début d'une journée que de lui souhaiter directement un bon ou une bonne journée. Donc, c'est dans ce sens qu'on exploite beaucoup plus les Afongandia, Né Afongan et tout. Par contre, ça existe bien bonjour et c'est Kudo Zanzan. Kudo Zanzan. À midi, en plein soleil, on va dire Kudo Wemen. Kudo Wemen. Très bien. Ah, j'aime bien. Alors, le retour du soleil l'après-midi, on va dire Kudo Weleko. Kudo Weleko. 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 Très bien. Parce que l'Eko, je me rappelle, c'est la maison. Non, l'Eko, c'est le retour. En fait, Ko, c'est le coup. Donc, l'Eko, un peu, c'est tourne le coup, en fait. Mais je me rappelle de cette expression, l'Eko Akwe. Oui, l'Eko Akwe, c'est le retour à la maison. À la maison, ok. C'est la maison qui est Kwe. Ah ouais, Kwe, c'est ça. C'est bon? Et l'Eko, c'est le retour. C'est le retour. Donc, oui, l'Eko, c'est Kudo. Oui, l'Eko, pour dire bon après-midi. Bonsoir, ça s'appelle Kudo Bada. Kudo Bada. Voilà, très bien, Kudo Bada. Le Bada, c'est le G du avec le B qui forme le son Ba, qui est juste claquement entre les mâchoires avec un son un peu plus mouillé, Ba. Ba. Donc, c'est Bada, Kudo Bada. Bada. Alors, pour dire bonne nuit à quelqu'un, on va dire Kudo Zan. Kudo Zan. Oui. Ou généralement, on va entendre au Bénin Maouni Fomi. Maouni Fomi, oui, ça j'entends dire, ça. Pour dire que Dieu nous garde ou que Dieu nous réveille et tout. Parce que l'être fond a pris conscience qu'il n'est pas lui-même détenteur de souffle de vie et qu'il y a une probabilité qu'il ne se réveille pas. Donc, voilà un peu comment on se salue, comment dire les salutations. Après, retenons que le mot kudo peut être utilisé pour tout et mm-hmm. pour rien. Mm-hmm. Dans n'importe quel moment où vous voulez apporter un peu d'agréabilité à celui qui passe le moment, vous placez juste kudo devant et vous complétez le moment en fond. Par exemple, lorsqu'on est assise, on va dire kudo aijijon.
Kudo Aïdjidjon. Très bien. Alors ça, mais ça c'est une expression vraiment typiquement béninoise, en tout cas que moi je n'avais jamais entendue. Bon et que souvent, oui, et que souvent ça étonne les gens qui viennent, tu sais, bonne assise, même en français, bonne assise. La première fois qu'on m'a dit bonne assise, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Bonne assise, c'est-à-dire qu'on te souhaite de bien t'asseoir, en fait. Profite de ton assise. Voilà, si profite de ton assise. Non mais attends, c'est... Et donc, en fond B, ça donne Kudo. Kudo, tu as dit Aïdjidjon. Kudo Aïdjidjon. Voilà. Parce que, en fait, le fond est quelqu'un qui médite beaucoup. Et vous n'êtes pas sans savoir que la méditation passe beaucoup plus par le fait de vivre le moment que l'on passe. Ouais. Et c'est en cela vient le mot Kudo pour planter un décor de profit d'un moment où l'on passe. Ouais. Donc, n'importe quel moment que l'on est en train de passer, on peut ajouter le mot Kudo. Kudo Azo pour dire bon travail. Kudo Azo, ouais. Kudo Hwe, qui est différent de Kudo Hwe. Ah, Kudo Hwe. Kudo Hwe, ça serait bonne fête. Ah. La fête, c'est Hwe. Hwe. Oui. Jour de l'an, par exemple, c'est Hwe. Ah, ok. Donc, une année, c'est Hwe. Hwe. L'âge, c'est Hwe. Donc, Hwe, âge, Hwe, année, eux tous, par métonymie, peuvent désigner l'un ou l'autre. Donc, quand une personne fête son anniversaire, on peut dire Kudo Hwe. Quand une personne est en mariage, toujours Kudo Hwe. Parce qu'on est en train plutôt de fêter en ce moment. Okay. Donc, une fête aussi, ça s'appelle Hwe. Parce qu'on l'a beaucoup plus associé un peu à toujours les trucs de fête où on fête une année surtout et tout en fait. Mm-hmm. Et nous retenons que tout type de fête est lié à des instants. Et l'instant, c'est le temps qui a été rassemblé jusqu'à faire une année en fait. Donc, ça représente l'unité du temps. Ok. Kudo Hwe. Kudo Hwe. Donc, bonne fête, bon anniversaire. C'est Kudo Hwe. D'accord. C'est bon? Ouais. Donc, voilà un peu les manières, les multiples manières d'utilisation de Kudo. Donc, même quand une personne, si on veut abuser, quand une personne est en train de dormir, on peut même le réveiller pour lui dire Kudo Amlon. Ouais, ça c'est vraiment abusé. Kudo Amlon? Kudo Amlon. Amlon, c'est sommeil. Sommeil. Donc, Kudo Amlon. Voilà. Et je me rappelle en même temps de ces mimiques qu'ont les parents, d'employer des phrases un peu plus à l'envers pour dire aux enfants de se méfier. C'est-à-dire, tu es en train de faire un travail ou un truc que le parent n'aime pas et il attire ton attention sur ça. Je me rappelle que chez moi, c'était plutôt quand tu es par exemple en train de t'amuser, on te dit « Kudo Aïrou ». Et toi-même, tu te dis, ah, non, elle n'aime pas sûrement ça en fait. Donc tu devines entre est-ce que c'est profite bien ou si c'est profiter, je t'attrape après de ton amusement. Ouais, ouais, ouais. Et tout. Ouais, vas-y toujours, je t'attends au tournant. C'est ça en fait. Donc c'est ça, on utilise vraiment le mot Kudo pour okay. exprimer profite, profite bien. Ok. Et le dernier là que tu dis qui est un peu une menace, c'est Kudo Kudo Aïrou. Kudo Aïrou. Oui, mais en fait, c'est pas tout le temps une menace. C'est à toi de décoder. Parce que même quand tu manges, par exemple, on peut dire Kudo Ndoudou. Kudo Ndoudou. Ah oui, Doudou, voilà. C'est le... Doudou, c'est manger. Ouais. Doudou, Doudou, c'est manger. Doudou, Doudou c'est j'aime bien ce manger, mot. Manger. Doudou. Non. Donc, Kudo Ndoudou serait bon, bon manger ouais, ou bon, bon repas. Appétit. Merci, c'est ça le mot. C'est okay. Bon appétit. Donc, voilà les multiples utilisations de Kudo. C'est simple, gardons juste Kudo, Kudo et cherchons à savoir le travail, le nom des choses juste en fond et complétons le mot Kudo. Même quelqu'un qui téléphone, tu peux lui dire Kudo. Ah ouais. Kudo appel. Kudo appel, Kudo téléphone. Merci. Aïe, aïe, aïe. Donc, non mais c'est top. Alors, tu sais quoi, Kudo, ça me fait même penser à une marque. On pourrait même avoir un logo, une marque qui s'appelle Kudo. Ouais, c'est bien possible. On va arrêter là pour aujourd'hui. On pensait faire plus, mais on ne va pas faire trop long. Hein? La suite au prochain épisode avec notre professeur Tobomé et peut-être à un autre endroit de Cotonou. On va essayer de se balader dans Cotonou. Hein? Peut-être. En tout cas, les routes, retenez bien déjà cette première partie. Moi-même, je vais réviser aussi. Et on se dit à la prochaine vidéo avec notre professeur Tobomé.
Tobomé pour l'approfondissement de cette belle langue qui est le Fongbé. Merci, professeur. Bye, les routes. Ciao, ciao. Tu as fini pieds nus. We'll be right back.